Bonjour à toutes et à tous. En ma qualité de membre du Conseil de l'ordre et de membre du Conseil national des barreaux, j'ai présenté lors de la séance du Conseil de l'ordre du 5 avril dernier les rapports et projets de résolution qui seront débattus ici même dans l'auditorium des locaux du CNB ce vendredi 8 avril 2022. Parmi les rapports présentés au Conseil de l'ordre figure le projet de directive européenne sur le taux réduit à 5,5% de la TVA applicable aux prestations juridiques délivrées aux particuliers, notamment salariés, personnes au chômage, ainsi que les personnes bénéficiant de l'aide juridictionnelle. Ensuite, nous avons évoqué le projet gouvernemental de création du Conseil national de la médiation. Une résolution sera soumise au vote. Visant à alerter les pouvoirs publics sur l'importance d'accroître la place de l'avocat au sein de cette institution. Enfin, nous avons évoqué le rapport sur l'assurance chômage et la création du régime indépendant et le logo relatif à la responsabilité sociétale des cabinets d'avocats. Au titre des communications habituelles, notre bâtonnière Julie Couturier nous a fait part de sa rencontre avec les représentants de ComSG, l'association qui regroupe 143 secrétaires généraux de cabinets d'avocats. Également, elle vous a fait part du lancement autour de Sophie Andrieux du groupe de travail avec le tribunal judiciaire, pôle par pôle. Également, notre confrère Stéphane Fertienne nous a fait un point sur la réforme de la procédure disciplinaire et les travaux qui sont en cours entre la DCS, le Lord de Paris, ainsi que le CNB. Également, Caroline de Supisegur nous a fait un point sur l'évolution des statistiques du Bureau de Paris entre 2017 et 2021. Enfin, le Conseil a voté la liste des confrères admis à concourir à l'élection partielle qui se tiendra les 31 mai et 2 juin prochains. Une liste à découvrir dans les différentes communications ordinales. Excellente semaine à toutes et à tous.